Ce mammouth préhistorique de l'âge des glaces se trouve à l'île Maurice, au monde de la maison au Tribécamol. Il fait partie de ce village de glace conçu et fabriqué par Castingwold. Alors Castingwold, c'est une entreprise mauricienne dont la directrice Sharanaz Soubrati a remporté plusieurs récompenses. Elle existe depuis 2016, elle est labellisée Made in Maurice et a produit plusieurs Thimpok et autres produits à partir de la résine. Donc, ne dérangeant pas l'environnement, elle a aussi conçu et fabriqué tout ce qui se trouve à Odysseo. Il y a encore d'autres projets à venir pour Sharanaz. Voyons tout cela tout de suite dans cette édition de Business Connect. Sharanaz Soubrati, donc vous êtes la fondatrice et la directrice de Castingwold. Donc expliquez-nous votre parcours depuis la création de Castingwold jusqu'à aujourd'hui être labellisée Made in Maurice. Je travaillais comme tout le monde dans des entreprises et un beau jour j'ai voulu faire quelque chose à moi. J'ai voulu créer quelque chose qui me passionne et c'est là que j'ai commencé Castingwold en 2016. Tout était un début très modeste. Parce que j'ai commencé mon entreprise à la maison et après, bon, avec le temps, il n'y avait plus d'espace chez moi et j'ai voulu avoir un espace où maintenant, avec tous les travaux qu'on fait, l'espace est acceptable pour ce que je fais. Bon, on est là aujourd'hui à fabriquer des décors intérieurs pour les hospitality sector, comme on dit, pour les entreprises, pour les bureaux, pour les particuliers qui veulent décorer leur villa, leur maison. On est aussi là à faire des theme park décors. Un exemple, Odysseo, on a aussi fait des décors pour le Snow Village dans le magasin Courts Mammouth. Le tout dernier de notre projet, c'est le décor des Green Wall, comme ce qu'on a fait pour la Cité Trianon. Ben, écoutez, moi, aujourd'hui, je dis heureusement que je me suis labellisée Made in Maurice parce que ça m'a aidé à faire connaître le savoir-faire mauricien et pour qu'on puisse, au lieu que les gens importent des choses de l'extérieur, ben, les Mauriciens, on a aussi des talents. Alors, vous fabriquez, bien sûr, des objets qui ressembleraient à des coraux, mais ce ne sont pas ça. Alors, quelle est votre pratique? Comment vous faites ça pour ressembler justement à des coraux, à ce qu'on voit dans le monde marin? Tout ça, ça devient de ma passion pour la mer, Richie, où j'ai voulu, moi, prendre ma passion et j'ai fait ça devenir un business. Ben, on fabrique des coraux, on fabrique des coquillages. Tout ça, c'est fait avec de la résine. Qui n'est pas nocif aux poissons. Moi, on peut mettre dans des aquariums. Et c'est là où j'ai été choisie pour faire l'aquarium Odysseo. Ben, écoutez, c'est aussi aider Maurice à rentrer dans le côté sustainable, parce qu'aujourd'hui, on parle de Sustainable Island Mauritius. Ben, pourquoi ne pas fabriquer quelque chose qui va nous être bénéfique pour l'environnement? Pour aider notre petite île Maurice, aider les Mauriciens et les touristes à connaître Maurice par rapport à comme si les poissons qu'on aura encore beaucoup plus si on arrive à protéger l'environnement, à protéger nos récifs, à protéger les coraux. Ben, c'est aussi bénéfique pour l'avenir de tous les enfants qu'on a sur notre île. Et moi je dis, ben, heureusement, j'ai pensé à ce côté-là. Sharanaz, on parle souvent de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Alors, vous, en tant que success story, quel conseil donnerez-vous à ces femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui peinent à démarrer et qui abandonnent? Le conseil que je vais donner, croyez en vous. Croyez en vous, parce que moi, personne n'arrivait à réaliser qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire avec des coraux. Moi, j'ai cru en moi. Et le conseil que je vais donner à d'autres femmes mauriciennes, c'est
persévérez, croyez en vous, mangez-les comme on dit, right? Mais restez humble, parce que vous allez commencer petit. Ne soyez pas gourmand à dire ben, « je veux devenir riche ». Non, mais allez-y petit à petit et un beau jour, vous allez vous retrouver comme moi, comme vous dites, un success story, mais moi, je reste humble. Je reste humble pour dire que, parce que demain, tout peut nous arriver, comme le Covid qui avait tué beaucoup d'entreprises. Et moi, je dis, soyez ferme, soyez responsable de ce que vous êtes en train de faire. Donnez un bon service à vos clients et ça va arriver, vous allez avoir un success story. Et quels sont vos projets futurs? J'ai investi dans une machine 3D qui va pouvoir découper du polystyrène en 3D. Et on est en train d'avoir plein de projets. Il y a des clients qui nous approchent. On est en train de faire des green wall, pas ici. On est en train de faire des décos d'hôtels. On est en train de travailler avec des particuliers. On est aussi avec plusieurs associations à Maurice et à l'international qui nous aident à promouvoir le savoir-faire mauricien à l'extérieur. Qui veut dire, j'étais en Allemagne, à Singapour, et je suis partie en Égypte avec des associations comme le She Trades. Même aujourd'hui, je vais aussi inviter d'autres femmes à se joindre à l'association. She Trades, comme EDB, comme le Made in Maurice, ou des fois se faire encadrer quand on vient de débuter son entreprise, ça aide beaucoup. Les gens nous rencontrent et c'est là que, de bouche à oreille, et on commence à avoir des clients pour pouvoir grandir l'entreprise. Merci beaucoup. Merci Richie. Made in Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produit et ban service mauricien. Azodi, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs. Agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, un industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, vous êtes capable de faire partie de nos réseaux. N'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure, une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement ou un frais adhésion, et aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou une procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur au savoir-faire mauricien. Made in Maurice, et n'a nous la met là-dedans. On l'appelle la plante magique, le moringa ou le bread murum comme on le connaît à l'île Maurice. À Maurice, justement, l'entrepreneur Vinay Kanai a décidé de développer plusieurs produits à base du moringa. Son entreprise, lancée en 2014, est devenue un success story. Labellisée Made in Maurice, maintenant cette entreprise peut même exporter vers des marchés aussi exigeants que les États-Unis. Voyons son parcours dans cette édition de Business Connect. Vinay Kanai, donc directeur de Vekanai Health Foods Company Limited. Alors nous comprenons qui ou entreprise diffère ben, produit à partir de moringa, soit bread murum comme on nous connaît, mais nous avons connu comment on gagne ça l'idée là et comment une entreprise est développée pour une qualité zodi. Ok, nous, l'entreprise principalement c'est nous venons commencer par exploitation bread murum et ça nous venons commencer en 2014. L'histoire d'ailleurs, c'était 2012, je suis allé en vacances avec la famille quand je me suis senti fatigué. Je fais une recommandation dans un natural health shop pour un produit à base de moringa. Moi, je ne sais pas trop connaître ce que ça veut dire moringa. Quand je retourne à Maurice, je commence à faire ma recherche et je trouve que moringa, c'est bread murum.
Et à partir de là, je finis aussi commence à s'intéresser, mais j'ai envie de connaître un peu, moi, une bienfaiture de moringa. L'étant, je finis de guetter, moi, je trouve que c'est un produit qui appelle un produit miracle, hein, un miracle plant. Il est très riche en antioxydants, anti-inflammatoires et rempli et plein de bienfaits. Ben, moi, c'est un dehors pour un terrain qui est abandonné. Et là, moi, j'ai une idée, mais qui fait mon pas plante dehors en bride mouroum et nous commence à faire un produit à base de bride mouroum. Alors, justement, on dit, on amène bride mouroum, moringa, mais on passe à visite ce feuille-là. Comment on processe ce feuille-là? Quelle est l'étape dans le process et non pour arriver jusqu'à ce produit fini? Tous les jours, nous allons nous faire cueillette de feuilles. Et du coup, ça vient à l'usine et à l'usine, nous fait un process qui s'appelle le de-leafing parce que nous servons que les feuilles de mouroum. Hein? Ça veut dire nous tirons tout sur les feuilles et ça, les feuilles-là, ça nous laver, nous mettre sèche pendant 24 heures naturellement, right? Nous pas chose, nous les naturally dry. Et après ça, nous mettons dans un déshydrateur pour à peu près une heure. Et du coup, nous gagnons une feuille qui vient extrêmement sèche. Et là, depuis sa feuille sèche-là, nous faisons tout demander les autres process. La première affaire qu'il nous fait, c'est nous grainons en poudre. Et là, quand nous grainons en poudre, là, nous servons à la poudre là pour faire une infusion et aussi pour faire une gélule. Right? Et nous avons une demande pour trois produits, c'est en infusion, en poudre et en gélule. Maintenant, avec les temps, on commence à servir dans les autres medicinal plantes et nous mélangeons avec nos mouroum. Right? Nous faisons mouroum et gingembre, nous faisons mouroum et citronnelle, nous faisons mouroum et grenade. Right? Et nous faisons aussi une gélule de mouroum, nous faisons gélule de nîmes, nous faisons gélule de safran. Nous commençons à aller vers le côté cosmétique aussi. Parce que nous trouvons quand même un produit naturel en termes de cosmétiques. Ça aussi, c'est un gros demande. Ils ont dit nous faire de l'huile infusée à base de mouroum, à base de citronnelle, à base de nîmes, à base d'eucalyptus. Alors, une entreprise mauricienne, où on décide pour gagner le label Made in Maurice, qui fait on a vers ce label Made in Maurice là. Pour nous, Made in Maurice, c'était une référence en lui-même. Parce que ça a montré l'authenticité de premier la savoir-faire des entreprises mauriciennes. Right? Quand même, il y a beaucoup d'étapes qui Made in Maurice dit exiger avant de certifier Made in Maurice, mais aussi nous rapides, nous très fiers et nous labelliser Made in Maurice. Nous comprenons ou exporter aussi. Alors qu'on exporte, on dit un marché allemand, américain, c'est bien exigeant localité. Comment on fait pour satisfaire ce marché-là? En 2017, nous avons gagné la certification organique right, par Écosserre France, qui est quand même très important. Right, et à partir de là, nous parcours d'une entreprise au niveau international qui commence. Et nous avons aussi participé dans plusieurs bandes la fois. Et là, nous fiers pour dire nous avons gagné des très gros clients, hein, c'est le marché américain. Nous avons gagné un distributeur exclusif avec tout le contrat et la première commande qui vient de finir passer. Et nous avons gagné aussi un distributeur au Berlin. Et dans ma nation d'expo qui nous fait vers la Réunion, nous fait vers l'Angleterre, nous fait beaucoup plus man business to consumer. Mais en format B2B, là, nous avons gagné des très gros distributeurs. Un, c'est comment on dit en Amérique, et l'autre, c'est en Allemagne. Aujourd'hui, nous avons 14 arpents d'exploitation de moringa à Maurice fait par nous. Et nous aussi, il y a un peu de contract farmers qui produisent mouroum pour nous. Mais il n'y a pas assez. Nous pouvons trouver nous, nous avons besoin d'aller vers Madagascar pour capable d'importer. Et mouroum de qualité, hein, parce que la première chose qui restait, c'est les critères de qualité. Et nous finalement, nous finissons avec un supplier qui lui aussi est certifié organique. Il est déjà exporté l'Europe, il est déjà exporté l'Amérique. Et nous finissons gagner un accord pour ben, fournir nous la matière première. Indica, une entreprise novatrice mauricienne qui s'est récemment développée. Post-Covid, en 2020, l'entreprise a été créée.
Elle offre une cinquantaine de produits à base de plantes naturelles, avec un procédé naturel. Ici, à la vallée des Fernets, où se trouve l'usine justement, on va découvrir comment Indica produit tout ce qu'il y a de plus naturel à l'île Maurice, pas seulement pour le marché mauricien, mais aussi pour l'exportation. Alors aujourd'hui, on va aller dans cette entreprise déjà voir ces plantes et aussi tout le procédé. Fabien Boule, directeur de Indica, une jeune entreprise dans le secteur de la pharmaceutique. Tout d'abord, présentez-nous Indica. Alors, Indica, c'est une compagnie qu'on a développée en 2020. À savoir que moi, je suis rentré à Maurice en 2017, après avoir passé 14 ans en Europe, où justement, j'ai travaillé un peu dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie biotechnologique. Et du coup, j'avais toujours eu cette vocation au fond de moi, d'essayer de valoriser le patrimoine botanique de Maurice et des îles avoisinantes, puisqu'on a une flore qui est assez exceptionnelle et qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Donc j'avais vraiment cette idée de vouloir valoriser cette plante médicinale et en développer des produits d'aromathérapie ou de phytothérapie pour utilisation par la population mauricienne, mais aussi de dépasser les frontières de Maurice pour aller ailleurs et faire vraiment rayonner notre patrimoine botanique au-delà des frontières de Maurice. Alors, depuis la conception d'Indica, quels sont les produits que vous avez développés? Donc, au fait, Indica, on est spécialisé dans plusieurs domaines qu'on appelle l'aromathérapie, la phytothérapie et les cosmétiques. Donc, on travaille sur de la plante médicinale et aromatique pour développer des produits tels que, par exemple, en phytothérapie, ce sont des infusions de plantes médicinales, des capsules de plantes séchées ou tout simplement ce qu'on appelle des super poudres alimentaires. En aromathérapie, on utilise l'huile essentielle, donc on va la mélanger avec d'autres produits de base comme des huiles végétales pour en développer des scrubs, des baumes, des huiles de massage, des sérums, par exemple pour les ongles, pour la peau, pour le visage. Et ensuite, pour tout ce qui est cosmétique aussi également, on développe des produits comme par exemple des crèmes solaires, des après-crèmes solaires ou tout simplement des produits pour mettre sur le corps et pour embellir la peau. Vising Nikitsing, donc Production Manager à Indica Pharma. Alors tout d'abord, on sait que vous utilisez les plantes pour vos produits. Combien de types de plantes vous utilisez? On a à peu près une quarantaine d'espèces de plantes qu'on utilise, mais les plantes sont catégorisées pour les huiles essentielles et aussi pour les produits poudres et aussi infusions. Alors une fois les plantes cueillies, récoltées, comment se passe à l'étape de la production? Une fois les plantes prêtes qui arrivent à maturité dans la plantation, c'est récolté, c'est emmené à l'usine. On a un processus de lavage, de pesage. Suite à ça, c'est catégorisé. Les plantes qui vont aller dans les produits de l'huile essentielle, c'est mis directement dans l'alambic. Les plantes qui seront pour les capsules et les infusions, c'est mis dans des racks, c'est séché à l'air libre et aussi mis à la dernière minute dans le four pour retirer le maximum d'humidité pour que ça soit le plus approprié pour les produits en capsule ou les produits en infusion. Alors, quelle garantie on a que ces plantes que vous utilisez ne contiennent pas de produits chimiques? Premièrement, nous, on est en train de travailler dans l'AgriHub Fernet. C'est une zone principalement dédiée pour toutes les pratiques agricoles 100% bio, c'est-à-dire zéro chimique. Tous les intrants qu'on utilise aussi, c'est à base naturelle et aussi c'est vérifié par la FAREI. La FAREI vient sur le terrain, ils vont superviser un peu les travaux qui se font sur le terrain et ils vont certifier que la compagnie est en train de suivre les principes d'agricole 100% bio. Vous
Vous avez aussi parlé de la recherche qui est très importante dans ce secteur. Parlez-nous de cette étape et aussi votre personnel qui collabore avec vous dans ce domaine. Tout à fait. En fait, Indica, c'est une compagnie qui est très ancrée dans la recherche et développement. Bien qu'on ait fondé la compagnie en 2020, la recherche et développement ont commencé depuis avant cela. Moi, quand je suis rentré à Maurice en 2017, j'ai fondé une première compagnie à Maurice qui s'appelle Axonova et qui est un laboratoire de recherche en phytothérapie. Donc, on collabore étroitement, ces deux compagnies sœurs, comme on dit, Axonova et Indica. Indica collabore étroitement avec Axonova pour faire tout le côté recherche. Donc, quand je dis recherche, c'est vraiment identifier des nouvelles plantes et des nouvelles molécules actives, ingrédients actifs de ces plantes, et ensuite les caractériser pour savoir quelles sont leurs vertus ou leurs propriétés médicinales, thérapeutiques ou seulement dans le bien-être, et pouvoir justement penser, imaginer des produits que nous pourrions développer à partir de ces plantes ou de ces extraits de plantes. Alors, vous êtes un pionnier dans le secteur de la pharmaceutique à l'île Maurice. On est en train de voir que ce pilier est en train de se développer davantage. Quel rôle vous entendez jouer dans ce secteur? Ben, Indica, je pense qu'on est un des pionniers dans l'industrie pharmaceutique. Enfin, on rentre dans un segment très particulier de l'industrie pharmaceutique qui s'appelle le nutraceutique. Donc, le nutraceutique, finalement, c'est des aliments qui ont des propriétés plus que juste nutritionnelles, en plus des propriétés intrinsèques de l'aliment, mais qui vont permettre d'aider les gens dans le bien-être au quotidien. Après 4 ans, on a quand même une gamme de près de 50 produits qui sont disponibles sur le marché. Aujourd'hui, les nouveaux projets sont de développer un magasin, un factory shop à notre usine à Ferney, où vraiment les gens peuvent venir nous visiter, visiter l'usine de production, les plantations, et aussi un petit magasin où ils peuvent retrouver tous nos produits. On a également beaucoup de produits en cours de développement pour la fin de l'année, comme par exemple des crèmes solaires, des apprêts solaires et des anti-moustiques. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. J'espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.